Vous souhaitez intégrer une école d'infirmière donc en France ou une formation supérieure dans une école, une université en France autre qu'une école infirmière. Et vous habitez à l'étranger dans un pays qui ne se situe pas donc en Europe. Vous êtes francophone, donc évidemment, il y a une forte probabilité pour que vous habitiez en Afrique. Vous êtes de nationalité camerounaise, béninoise, sénégalaise, etc. Vous avez fait vos études en Afrique et vous souhaitez donc continuer vos études supérieures en France. Quels sont les pièges à éviter et qu'est-ce que vous devez faire afin d'anticiper? C'est très simple. Premièrement, il faut que vous soyez titulaire du bac, celui que vous avez passé dans votre pays de résidence. Une fois que vous serez titulaire du baccalauréat, il vous faudra vous rendre sur le site ENIC-NARIC qui apparaît et vous demanderez alors une équivalence attestant que ce bac acquis dans tel ou tel pays est l'équivalent du bac français. Bon. Compte tenu de l'histoire des anciennes colonies françaises, la quasi-totalité des baccalauréats donc acquis dans tel ou tel pays d'Afrique fait l'objet d'une reconnaissance. Ce n'est pas obligatoire. Certains IFSI ne le demandent pas pour les écoles infirmières, mais je dis bien, c'est très spécifique. Et je vous conseille, pour ne pas avoir de mauvaise surprise, de demander cette équivalence. Soit vous avez déjà le bac, il vous suffit de le faire, ça va vous coûter 70 euros. Soit, évidemment, vous le faites une fois que vous allez obtenir le bac. Faire les études en France, ça nécessite évidemment la maîtrise de la langue française. Et je vous invite à vous rapprocher donc de l'ambassade et de préparer le certificat B2. Qui prouvera tout simplement une parfaite maîtrise de l'orthographe, la grammaire, la syntaxe de la langue française. Attention, si vous souhaitez intégrer une école d'infirmière en France par le biais de Parcoursup, il ne faut surtout pas attendre l'ouverture de Parcoursup, puisque Parcoursup ouvre chaque année en janvier. Il faut, dans le cadre donc des inscriptions sur Parcoursup pour les étudiants étrangers, il faut vous y prendre avant, c'est-à-dire dès le mois de septembre, contacter Campus France pour réaliser une préinscription, une validation, l'ouverture du dossier à l'intérieur de notre Campus France qui dépend directement de l'ambassade française. Et ensuite, évidemment, vous allez rédiger l'intégralité du dossier Parcoursup, puisque dans le cas de Parcoursup, vous êtes sélectionné sur dossier. Et donc, vous avez plusieurs textes à produire. Et si vous souhaitez que je prenne en charge la réalisation, la rédaction de l'intégralité de votre dossier, vous pouvez alors me retrouver sur le site parcours-postbac.com. J'insiste sur le .com puisque le .fr est dédié à d'autres formations. Donc c'est le site qui apparaît au-dessus, parcours-postbac.com. Et donc, vous allez me retrouver à l'intérieur de ce site. Je pourrai vous accompagner de A à Z à partir de plusieurs rendez-vous, à partir donc de la famille du jeune qui est en Afrique. Je prends en charge l'intégralité de la rédaction de votre dossier et répond à vos questions pour évidemment tout ce que je viens d'évoquer, qu'il s'agisse des NIC-NARIC, du certificat B2 ou de l'obtention du visa. Bien évidemment, pour l'obtention du visa, il est préférable eh bien, d'avoir de la famille sur place pour justement attester que vous serez pris en charge et logé. Toutes les modalités concernant donc les intégrations en école infirmière pour les étudiants étrangers n'ont lieu vous seront transmises et de toute manière, vous pourrez me joindre autant de fois que vous voulez en respectant les fuseaux horaires.
afin que je puisse répondre à toutes vos questions. Donc, à bientôt sur parcours-postbac.com.